Se me aconsello. Centro de pallas este corazón experto. Quixo ignorar os devastados. E foi, como a contempo, abrir os rejatos. E saíren obeando as bestas os camiños. Desconsoladas, sen fillos. Para logo deitarse na raxeira. Cara ao último suspiro das luces, regresarse. E alo andar os carreiros todos de puntillas. Como un soño. E logo, un soño imposible. Despois, un terrorismo de soños, pero nada, hai. O meu soño edificado cada instante que os fentos adormecen os detalles dos cristais. Que a realidade te acompañe. Entón, descompoñe os tránsitos discordes e a miña viaxe que me recolle. Aínda despois de todas as derrotas inexistentes. Cécile Coulon, pourquoi écrire un poème? C'est pour le chauffeur de taxi. Il a conduit toute la nuit. Des gens se sont aimés sur la banquette arrière. Des amoureux chuchotaient. « Oui encore, s'il te plaît. » La radio couvrait leur voix. Il entendait quand même. J'écris pour savoir si cet homme a quelqu'un qui lui dit « Oui encore, s'il te plaît. N'oublie pas que je t'aime. » C'est pour l'agriculteur. 5 heures du matin, botte sale. Café chaud. Ces vaches font chanter leurs cloches en traversant la route. Elles sont belles comme des anges. Leurs yeux sont des étoiles quand elles passent devant la grange. J'écris pour ce regard-là, dans cette vallée profonde. C'est pour la femme de ménage au 14e étage. Elle renverse des poubelles. Et dans l'immeuble d'en face, une autre femme la regarde nettoyer l'arène des traders, des avocats et des cadres supérieurs. J'écris pour accompagner le torchon qu'elle passe 100 fois sur les écrans d'ordinateur. C'est pour l'infirmière qui aide quelqu'un à passer de l'autre côté. Ce n'est jamais facile, mais elle sait que certaines lumières ont plus d'éclat une fois éteintes. C'est pour les dernières fois qu'on fait l'amour alors qu'on pensait que ça durait toujours. Les amis, les films et les romans nous avaient pourtant prévenus. Non, ça ne durera pas. On se croyait plus fort et nous ne l'étions pas. C'est pour eux, mais surtout c'est pour toi. Je me couche dans ta vie, comme un chat dans un rayon de soleil. J'écris pour te dire que je prends le risque de t'aimer. J'accepte d'être si atrocement, si humainement vulnérable à tes côtés. C'est pour eux, mais surtout c'est pour toi. J'écris parce qu'ici tout va bien, sauf que tu n'es pas là.